Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dernière vidéo de la semaine, quelques exercices supplémentaires, comme je vous en avais parlé. Ça sera même la dernière vidéo de l'année. Voilà, donc on va faire un petit échauffement et ensuite on travaillera avec le bâton et les lestes. Si vous n'avez pas de bâton, ça n'est pas grave. Vous allez avoir des exercices debout, on va faire les jambes, la taille, et après des exercices au sol, on fera les bras et les abdos et les fessiers. Voilà, je vous ai tout dit. On va démarrer l'échauffement. Marchez. Step touch. On monte le genou. On amène le talon à la fesse. Step touch. Avec les deux bras. Devant. Derrière. Côté. En gardant les talons décollés. Jambes tendues. Vous êtes en appui sur vos talons. Marchez sur place. Avec les jambes tendues. Step one. Montez la jambe. Encore une fois. Poignet, si vous avez un bâton, vous le prenez. Sont légèrement pliés. On place son dos. Je décompose le mouvement. Vous allez amener les bras à l'avant. Vous allez amener le genou droit plus ou moins près du sol. Vous restez bien à la verticale dans cette position-là. Et vous revenez.
le sol. Allez, c'est parti. Garder le genou au ras du sol, monter les bras et faire des petits ressorts. Attention, restez, montez les bras, petit ressort. Alors, un exercice pour la taille, les obliques, travail des bras et des épaules. Vous avez le bâton, vous le mettez derrière. Vous n'avez pas le bâton. Nous allons le faire en gardant les deux bras tendus. Allez d'un côté, puis de l'autre. Pliez les jambes.
Tendez les bras et c'est parti. À droite qu'à gauche, encore. Et le dernier. Et revenez au centre et relâchez. Relâchez vos épaules. On fera quelques étirements à la fin de la séance. Alors, l'exercice suivant, vous allez avoir un pied en ouverture et l'autre pied dans l'axe. On va plier la jambe, aller sur le côté, puis s'incliner en engageant les abdominaux. Amenez le bâton en direction du sol et montez les bras pour redescendre, retendre la jambe et se redresser. Puis, on s'incline, on amène les bras à l'avant, on les redescend et on se redresse. On en fait 15 d'un côté, 15 de l'autre. C'est parti. Les bras, on monte les bras, on les redescend et on se redresse en tendant la jambe. C'est parti. Les bras et le bâton bien à l'avant. Et le dernier. Et
ramener les pieds l'un vers l'autre. Vous allez pouvoir poser votre bâton. Vous gardez et vous enlevez les lestes. Pardon. Vous enlevez les lestes. Vous n'avez pas besoin pour les bras. On va faire des pompes, des demi-pompes et des dips. Donc je vais prendre mon tapis et je reviens. Faire.
brûler. Allez, les dernières. Lassez les mains. Décollez les fesses, tendez les bras. N'amenez pas vos fesses vers vos talons. Et on plie les bras. Pliez, tendez. Relâchez à nouveau vos poignets. Il vous reste à faire les abdos en premier. On va soulager les bras et ensuite les fessiers. Alors, abdominaux, vous allez vous allonger sur votre tapis. Mettez les deux mains à l'arrière de la jambe. Allez poser la colonne au sol tout doucement. Ramenez l'autre jambe vers vous. Posez par exemple le pied gauche contre le pied droit. Et relâchez le bas de vos jambes. Vos cuisses restent à l'avant. Le bas du dos est bien plaqué au sol. Et vous avez les omoplates au sol. Sans tirer sur la tête. Les deux mains à l'arrière de la tête. On va en direction des genoux. Les jambes ne bougent pas. Encore. Soufflez. Creusez le ventre. Ramenez les jambes vers le buste comme tout à l'heure. Au lieu de garder le pied gauche en haut, changez, mettez le pied droit. Vous pouvez travailler avec vos mains placées sous les fesses ou les bras le long du corps. Le mouvement, je ramène les jambes vers le buste, j'inspire, je les éloigne, j'expire, je les rapproche, j'inspire. Je décolle légèrement le bas du dos du sol. J'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention dans le dernier mouvement à ne pas avoir les pieds trop hauts. Vous risquez de prendre de l'élan avec vos jambes. Ça va être plus facile. Gardez les talons près des fesses. Allongez la nuque. Vous allez placer une dans les mains. C'est parti. Encore
dernier. Encore 3. 2. Et le dernier. Et relâchez. Vous allez poser vos pieds à plat au sol. Alors, vos pieds contre sur la bordure de votre tapis. On va fixer les jambes, fixer le bas du dos, bien plaqué au sol. Vous allez décoller la tête. Vous allez mettre la main ou le bras à l'arrière de la tête. Vous allez avoir le bras droit tendu, au ras du sol. La main droite va venir toucher le pied droit. Dernier. Et revenez dans l'axe. Reposez votre tête au sol. Relâchez pendant quelques instants. Vous allez le faire de l'autre côté. Moi, il y a le canapé qui me gêne. Donc, je vais refaire sur le même côté. Changez bien de côté, changez bien de bras. Passez votre bras droit derrière. Changez de bras. Allongez votre bras gauche. Et allez toucher le pied gauche. Faire 15 répétitions de chaque.
La main dans l'alignement du genou, le genou dans l'alignement du pied, trois points sur la même ligne. La main au sol bien à l'avant de l'épaule. Et on place son buste. La jambe est bien tendue. On va la monter. C'est parti. L'autre main et revenez vous asseoir. Vous restez sur le même côté pour le moment. Donc vous allez reprendre la même position, haute, basse. Amenez bien le bassin à l'avant, contractez la partie postérieure. On a terminé, on était là. Vous allez amener le talon à la fesse, puis placer le genou à la hauteur de la hanche et tendre la jambe devant. Et deux derniers. Et relâchez. Voilà. Donc vous allez faire la même chose en vous plaçant de l'autre côté et en travaillant avec l'autre jambe. Sauf moi. Placement. Autograndissez-vous. Allez, c'est parti. Lâchez pas la tête,
Remontez-la, amenez-la loin à l'avant. Votre tête va loin vers l'avant et en même temps, vous poussez les talons vers l'arrière. Mais le poids du corps est bien au centre. Inspirez, engagez les abdominaux. Expirez, gardez les abdos engagés et serrez les fesses. Inspirez, cherchez à vous grandir. Expirez, enfin vous regardez le chrono. Inspirez. Expirez. Si vous êtes en souffrance, posez vos genoux au sol. Conservez le poids du corps vers l'avant. Gardez les genoux au sol, mais conservez la planche. Ça y est, vous avez fait une minute. Allez, on tient. Attention à ce que votre bassin et vos jambes ne soient pas trop basses si vous auriez mal dans le bas du dos. Continuez. Regarde le chrono. Encore un peu. Si c'est trop dur, posez les genoux au sol. Faites 2-3 cycles respiratoires avec les genoux au sol. Puis vous les redécollez. Vous avez bientôt terminé. Encore 4, 3, 2, 1. Et c'est tout. Relâchez. Bravo. Alors, je vais mettre la musique un peu moins forte et je reviens. Voilà, bon, écoutez, vous allez vous allonger sur le dos. On va étirer les groupes musculaires qui ont travaillé et ça sera fini. Décollez le pied droit, croisez vos jambes, puis décollez le pied gauche. Relâchez vos épaules, allongez la nuque, inspirez et ramenez les jambes vers le buste, expirez. Éloignez légèrement vos jambes, inspirez, rapprochez-les pendant l'expiration. Encore une fois. Vous allez poser le pied gauche au sol. Vous ramenez la jambe droite vers le buste. Vos mains sont à l'arrière de votre cuisse. Mettez votre pied flex. Éloignez le talon. Gardez la jambe légèrement pliée. Si c'est possible, vous l'attendez. Inspirez et ramenez la jambe vers le buste. Expirez. Si c'est possible, les mains contre le mollet. Le pied reste bien flex. Une dernière fois. Et vous relâchez. Pliez la jambe droite. Posez le pied sur la cuisse gauche. Ouvrez la hanche. Décollez le pied gauche du sol. Ramenez les deux jambes vers le buste. Puis mettez vos deux mains à l'arrière de la jambe gauche. Rapprochez. 3 cycles respiratoires. On inspire et on expire. Vous allez ressentir l'étirement dans la fesse droite. Posez les deux pieds au sol, posez le pied au sol, les deux pieds au sol, oui. Décollez le pied gauche, passez. Décollez le pied droit, ramenez les jambes vers le buste. Allongez bien la colonne cervicale, baissez bien les épaules, inspirez. Ramenez les deux jambes vers le buste, expirez. Vous allez poser le pied droit au sol, décroiser,
ramenez la cuisse vers le buste, mettez le pied flex, éloignez, montez le talon. Inspirez et ramenez la jambe vers le buste, expirez. Relâchez, pliez la jambe gauche, posez le pied gauche sur la cuisse droite, ouvrez la hanche, éloignez la jambe, le genou, décollez le pied droit du sol, ramenez les jambes vers le buste, placez vos deux mains à l'arrière de la jambe droite, expirez, rapprochez la jambe droite et restez ainsi pendant 3 cycles respiratoires. Vous allez poser le pied droit au sol, puis le pied gauche. Vos pieds sont à l'extérieur du tapis. Vous allez amener la jambe droite vers l'intérieur. Vous allez décoller la fesse droite du sol, le côté du dos. Et vous dirigez le genou vers le sol. Vous allez ressentir l'étirement au niveau du psoas et de la cuisse. Puis revenez, vous mettez votre pied droit bien à plat au sol et partez de l'autre côté. Vos deux omoplates sont au sol, vous tournez la tête, vous ne la tournez pas et votre jambe est ouverte. Hein. Bien au niveau du psoas, les extenseurs de hanches, on étirera les quadriceps tout à l'heure, puis revenez, et là vous allez venir vous asseoir, décollez vos pieds, faites un petit roulé-boulé, tête décollée, allez, on se met face à face, jambes tendues mais relâchées. On place son dos, on se grandit, relâchez un bras, montez l'autre bras et inclinez-vous sur le côté. Si vous avez le bras gauche en l'air, relâchez la tête et attrapez le pied droit avec la main gauche. Relâchez bien la tête, arrondissez bien le dos. Amenez le poids du corps vers l'arrière. Et revenez au centre, les bras entre les jambes. Et remontez, déroulez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inclinez-vous sur le côté, gardez le fessier au sol. Relâchez la tête et la main droite attrape le pied gauche. Relâchez bien la tête, arrondissez votre dos. Revenez au centre et déroulez. On va étirer les adducteurs. Vous allez ouvrir vos jambes. Davantage. Gardez le dos à la verticale et relâchez la tête. Posez vos mains au sol ou le bout des deux doigts au sol. Et avancez. Main au sol, bras tendus. On arrondit le dos. Ou avant-bras au sol, dos arrondi. Ou
alors plus loin, en remettant les mains bien au sol et en tendant les bras, selon vos possibilités. Et revenez tout doucement, déroulez le dos. Refermez un petit peu vos jambes, que ça soit plus confortable. Amenez vos bras à l'avant, pliez-les. Placez les coudes sur les côtés dans l'alignement de vos épaules. Tendez vos bras et amenez-les loin vers l'arrière. Puis ramenez les bras sur les côtés, pliez-les. Mettez vos deux mains à l'arrière de votre tête. Tirez vos bras, vos coudes vers l'arrière. Dernier étirement, le bras est à l'avant, il est plié, la main attrape le coude, vous amenez le coude en direction de l'épaule. Autograndissez-vous, allongez la colonne. Hein. Relâchez. Faites donc la même chose de l'autre côté. Et relâchez. Vous allez poser vos mains au sol. Vous allez amener vos deux jambes vers l'arrière. On va terminer par l'étirement des quadriceps, j'allais l'oublier. Posez vos fesses sur vos talons, vous avez les pieds flex, puis décollez les fesses des talons. Éloignez vos pieds, éloignez votre genou, gardez votre surface d'équilibre. Amenez bien le bassin vers l'avant et allez légèrement vers l'arrière. Gardez bien le bassin vers l'avant. Possible, posez le bout des doigts sur les talons. Si c'est possible, mettez les mains contre les pieds. Poussez bien le bassin vers l'avant. Et revenez tout doucement. Voilà, c'est terminé. Écoutez, je pense que pendant les vacances de Noël, je vous mettrai une vidéo et également la semaine d'après au niveau du nouvel an. Voilà, donc comme ça, je vous souhaiterai un joyeux Noël un petit peu plus tard. En tous les cas, prenez bien soin de vous, faites attention et je vous dis à bientôt. Au revoir!